Good morgen, allez, Yiden les sera aujourd'hui, les longs nishmat Richard ben fortune mazal, Claude Israq ben fortune mazal, et Rachel Bassara. Si vous souhaitez, vous aussi, dès une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étions à Sechet Rosh Hashanah, Perek Aleph Mishnah Gimel, Al-Shisha Chodashim Ashkochin Yosim, Al-Isan Mipnei Pesach, Al-Av Mipnei Atanit, Al-Elul Mipnei Rosh Hashanah, Al-Tishrei Mipnei Takanat Amoadot, Al-Kislev Mipnei Chanukah, Ve-Al-Adar Mipnei Apurim. Rosh Hashanah Bet HaMikdash Kayam. Yotzein af al yar mi penei pesach katan. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet de Rosh Hashanah, un des gros sujets de Rosh Hashanah pour les deux premiers prakim. On va presque pas parler de Rosh Hashanah en fait, on va plutôt parler de la manière de sanctifier le nouveau mois. À savoir, dans le temps de l'exploser longuement, le nouveau mois Rosh Chodesh est établi selon le calendrier lunaire, quand la lune démarre son cycle. Maintenant, ça ne suffit pas que de calculer que la lune démarre son cycle. Il faut concrètement que des témoins aient vu la nouvelle lune, le nouveau petit croissant, ils viennent dans la journée témoigner au Beit Din, on déclare que ce jour-là, c'est devenu Rosh Chodesh, c'est-à-dire les mois, concrètement, le cycle lunaire, ça fait Kaftet Yud Bet Tashtag. Kaftet Yom, 29 jours, 12 heures, et Tashtag Chalakim. Tashtag, ça fait 793 Chalakim de 1180, de Tatraf, 1180. D'accord? C'est la durée exacte du cycle, pas exacte, c'est pas vrai, c'est la moyenne, selon les mois de l'année, des fois ça peut être un petit peu long, un peu moins long, mais la moyenne, elle va être comme ça. Donc du coup, si on a fixé aujourd'hui à midi, la lune, elle a son cycle aujourd'hui à midi, je vais savoir que dans 29 jours, 12 heures plus, donc il va être minuit cette fois-ci, et quelques halakim supplémentaires, un peu plus que minuit, il y aura la nouvelle lune qu'elle va démarrer. Malgré tout, il faut que les témoins voient le nouveau croissant et viennent au Beit Din pour témoigner. Et comme ça, on déclarera que cette journée, qui aurait pu être le 30 depuis le Rosh Chodesh précédent, eh ben, ce sera le premier du mois d'après, ou bien les témoins ne viendront pas, ils viendront le lendemain. Et donc, on déclare rien aujourd'hui. Donc, le mois précédent, il a fait 30 jours, et le nouveau mois démarre le 31e jour. C'est comme ça que ça se passait. On aura l'occasion de plus détailler plus longuement. Concrètement, une fois qu'on a eu, on va parler très longuement de tout ça. Mais malgré tout, la Mishnah commence d'abord par nous introduire l'après. Une fois qu'on a déclaré que c'est Rosh Chodesh, alors là, il faut envoyer des émissaires dans toutes les villes de diaspora. Ils partaient à cheval, ils couraient très vite, ils n'avaient pas le droit de transgresser le Shabbat, c'était pas assez nécessaire, on apprendrait dans certaines choses, on avait le droit de transgresser le Shabbat, mais pas pour ça spécialement. Et donc, ils devaient partir maintenant dans toutes les villes le plus loin possible pour prévenir les gens qu'on a ouverts, qu'on a déclaré que telle date, le lundi, le mardi, ça a été déclaré comme Rosh Chodesh, comme ça ils vont pouvoir calculer. Pour quel mois de l'année il fallait faire sortir les émissaires? Eh bien, Al-Nissan Mipna Pessah, il fallait faire sortir depuis le Rosh Chodesh Nissan, en vue de Pessah, pour qu'ils ne mangent pas du Khametz. Entre parenthèses aussi, on va en plus détaillé, mais en Chutz La'aretz, où justement les envoyés n'arrivaient pas toujours, eh bien, ils faisaient deux jours de fête. C'est pour ça qu'Al-Mina qu'on Chutz La'aretz aujourd'hui, ils font deux jours de fête. En souvenant de ce qu'il y avait avant, même si aujourd'hui, on n'a plus de Bedin qui déclare le nouveau Bedin, parce que tout est déjà calculé par Hillel. Il y avait un d'Etanaïm, je crois, ou un Moraïm plutôt, qui a déclaré, qui a établi tout le calendrier lunaire. On en reparlera plus tard. Mais concrètement, pour le moment, et donc là, les témoins, les émissaires sortaient pour prévenir tout le monde, comme ça, ils allaient faire un seul jour de Pessah. Ça, c'était pour Pessah, en Nissan, pour le mois de Pessah. Al-Av, Mipina Ta'anit. Au début de Av, ils sortaient pour le Ta'anit, pour le jeune du 9 Av. Bien sûr, ils avaient moins de temps de partir, parce que ça allait être le 9 au lieu du 15. Ben là où ils sont arrivés, comme ça les gens ils vont pouvoir jeûner à la bonne date. Au pire, les gens ils jeûneront un jour pour se servir dans le jeûne. On en reparlera après, dès qu'on va arriver sur Tishrei justement. Et donc ça c'est pour le jeûne. Maintenant vous allez me dire pourquoi pas le 17 Tammuz. Le 17 Tammuz c'est un jeûne un peu moins grave que Tisha B'Av. Tisha B'Av, il y a eu beaucoup de tsarot dans la Israël. C'est pour ça d'ailleurs qu'on marque plus fortement, on démarre le jeûne depuis le soir. Donc c'est les plus importants. Et du coup... les témoins sortent, les envoyés émissaires sortent spécialement pour Tisha B'Av. Je continue. Al-Elul Mipne Rosh Hashanah. Depuis le Rosh Chodesh Elul, ils vont sortir comme ça dans 30 jours cette fois-ci pour nous dire que, attention, d'ici 30 jours, le 30e jour, ce sera le jour de Rosh Hashanah. Concrètement, comment est-ce qu'on peut affirmer tellement certainement que ce sera le 30e jour, que ce sera le 31e jour, et quelqu'un va entraîner. Deux avis sur ça, justement. Et le Barthénois et Porte, c'est au nom de Rashi, je crois. Mais étant donné que la majorité des années, c'était pour le 30e jour uniquement, et Elul il est toujours chasser, il est toujours manquant. Donc du coup, ils vont selon la majorité des années, où c'était le 30.
D'accord, le 30, il était fixé. Le Tosfot Yom Tov, rapporte ton Tosfot, ou non, il faisait réellement 2 jours, mais au moins comme ça, ils font 2 jours et pas 3. D'accord. Ensuite, Al-Tishrei, et après, il sortait Antishrei pour Takanat HaMoadot. Une fois qu'à Rosh Hashanah, on avait déclaré que c'était le Bezin Agadol, qui avait, même après la destruction du Beth Amigdash, ça continuait de fixer le Rosh Hashanah selon le Bedin, eh bien, à Antishrei, une fois qu'ils avaient déclaré Antishrei à Rosh Hashanah, c'était pour la Takanat HaMoadot, pour bien que les fêtes d'après se passent bien, à Antishrei, à part Rosh Hashanah, et ensuite Yom Kippour, jeûner un seul jour et pas 2 jours, et au moins jeûner un seul jour, mais en étant sûr et à l'aise qu'on jeûne le bon jour et pas le lendemain. Et après il y a Sukkot, donc du coup on envoie quand même les émissaires pour Antishrei. Al-Kislev, Mipnei Hanukkah, on les envoyait en Kislev aussi quand on déclarait c'était Rosh Chodesh Kislev. Comme ça ils ont 25 jours pour arriver jusqu'au jour de Hanukkah. Val-Adar, Mipnei Purim, en Adar, ils sortaient en Adar pour pouvoir prévenir que ça allait être Purim, le 15e, 14-15. J'allais à Beth Amikdash Kaya, mais à l'époque où il y avait le Beth Amikdash, eh bien, Yotzin Af al Iyar Mipne Pesar Katan, il sortait même aussi au mois de Iyar pour prévenir les gens de faire le Pesar Katan, le Pesar Sheni, ceux qui n'avaient pas pu faire le Korban Pesar en Nissan. Eh bien, s'ils voulaient monter, s'ils pouvaient, ils avaient une obligation de monter, mais bon. Et donc, ils devaient monter en Iyar le mois d'après pour faire le Pesar Katan, Pesar Sheni, on appelle Pesar Katan. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tov, Selah.